Bonjour, bonjour et bienvenue dans le chapitre 42 de mes podcasts créatifs. Donc je suis Mylène alias Folie Ordinaire et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook Ravelry ou sur mon site internet www.folieordinaire.com avec un 0 à la place du O de ordinaire. Et on se retrouve aujourd'hui donc pour le chapitre 42 de mes podcasts créatifs. Donc j'essaye d'enregistrer un podcast tous les 2 mois et pour le moment j'arrive à m'y tenir avec entre deux, en fait j'alterne chaque mois en un podcast, un vlog, un podcast, un vlog. Je sais que le dernier vlog vous a beaucoup plu, de voir l'évolution d'un design. Donc du coup, je me suis dit que j'allais en faire un nouveau pour la suite avec un nouveau design parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir le démontage, le montage, les réflexions en cours, voilà, l'évolution d'un design avant la finalité. Je me suis lancée et j'en ai recommencé. Voilà. Donc c'est parti pour un nouveau podcast. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner juste en bas si ça vous intéresse pour avoir toutes les nouveautés, les nouvelles sorties et compagnie. Et on démarre maintenant avec un tricot. Alors, pour démarrer le tricot, donc c'est la petite section tricot d'un tricot d'un autre designer que je fais. Et j'ai voulu finir un encours qui avait été commencé en 2020, de mémoire. Donc c'est un châle, ce qui est plutôt rare ici. Un châle de Stephen West, Westknit. Que j'ai commencé dans le cadre du Mystery Shawl. Donc tous les ans, depuis maintenant pas mal d'années, il fait des Mystery Shawl au mois d'octobre-novembre. Je sais que j'en ai fait beaucoup dans le cadre du Mystery Shawl. Enfin beaucoup, j'en ai fait au début où il n'y avait pas grand. J'ai dû faire son deuxième. Le deuxième, le troisième, le quatrième. Après, j'avais été un peu dégoûtée parce que, en fait, le principe du Mystery Shawl, c'est de tricoter tous en même temps et d'avoir un indice, en fait, chaque semaine et d'avancer progressivement à l'aveugle. Sauf que moi, j'adore le côté mystère et il y a une année, en fait, où ça a été du grand n'importe quoi et tout le monde publiait son avancée. Et quand on travaille et qu'on tricote pas non plus tout dès le vendredi, parce que les indices sont envoyés le vendredi, on se retrouvait à voir ce que ça donnait le vendredi soir alors que on n'avait même pas ouvert l'indice. Donc ça m'avait un peu dégoûtée. Donc je ne l'avais pas fait pendant plusieurs années et je crois que c'était pour le Doodler. Et là en 2020, je venais d'accoucher de mon deuxième et je me suis dit allez, je me relance, j'en fais un autre parce que j'aime vraiment beaucoup en fait ce qu'il fait. Alors après c'est pas toujours des châles que je porte, mais je trouve que techniquement parlant c'est hyper, c'est jouissif en fait. Il y a des choses, des constructions, des structurations qui sont assez géniales et novatrices. Donc là, voilà, le 2020. Alors, je pensais que c'était le chalographie, mais non. Du coup, j'ai un doute sur le nom. Donc, il s'agit du modèle Slip Stravaganza, qui est maintenant achetable sur sa boutique Ravelry. Et donc, il ressemble à ça. Donc, je n'ai pas rentré tous les fils. Vous allez voir des petits fils qui pendouillent parce qu'il y en a énormément. Donc c'est un châle à 4 couleurs. Donc il donne avant le premier indice, il donne des instructions, en fait, une aide en disant bah là, il faut partir dans une couleur peps, ou si vous avez pris telle couleur peps, il faut prendre une couleur un peu plus neutre pour mettre en valeur. Ou là, c'est bien d'avoir deux écheveaux ton sur ton. Enfin voilà, il donne vraiment beaucoup d'infos. Puis il y a des moments, ils disent faites-vous plaisir. Il dit faites-vous plaisir. Donc c'est assez génial à faire. Et donc moi je suis partie sur la couleur dominante en blanc pour vraiment mettre en valeur le reste en fait. Et donc du coup je suis partie sur un rouge et un bordeaux. Alors je pourrais pas tout vous dire ce que c'est parce que du coup c'était des écheveaux solitaires et j'ai plus les. Je crois que c'est dans mon Ravelry mais j'ai plus. Donc le blanc c'est de la Madeline Tosh que j'avais ramenée des États-Unis.
Donc ça, c'est un fil single qui est en fait un blanc moucheté de petites couleurs, de petits speckles. Et après, les rouges, ce sont deux rouges de Simone. Donc il doit y avoir le plus rouge, c'est du Summit. C'était un de ses premiers coloris. Et le plus foncé, ça devait être. Je sais qu'une fois, j'avais récupéré un écheveau à nœud. Elle m'avait offert, pour me remercier de l'avoir aidé sur un salon, elle m'avait offert un écheveau solitaire où il y avait des nœuds dedans. Mais moi, j'adorais la couleur. Alors, c'est pareil, il n'avait pas d'étiquette, pas de couleur, mais je ne pourrais pas dire. Je pense que c'est des essais pour trouver, en fait, les bonnes couleurs. Ouais, elle pourrait peut-être me redire. Et enfin, la troisième couleur contrastante, on a un noir. Et le noir, il est de Laféfil. Ça doit être Réglisse ou je sais pas quoi. Je ne sais plus le nom. Donc c'est Laféfil. Donc on a un Mac Vintage, deux Simone, deux Yarn by Simone et un Laféfil. Donc on voit bien par contre les différents indices. Donc le premier triangle avec les espèces de nids d'abeilles au milieu, c'est le premier indice. Après, toute la ligne ici, c'est le deuxième indice. Le troisième indice. Le quatrième, là. Avec les triangles. Hop. Donc, ici, c'est le quatrième avec les petits triangles à faire. Et le dernier indice, c'était la bordure, ici. Alors, les couleurs, j'ai agencé comme il a dit. Il y a juste une chose où j'ai différé un peu au niveau de la bordure, parce qu'en fait, j'avais plus de noir. Donc, normalement, il proposait de faire une bordure plus large. Donc avec trois rayures, alors il y a deux possibilités de bordure, soit trois rayures, une de chaque couleur contrastante. Et la grande bordure, il y avait six rayures de couleur contrastante, mais moi j'avais pas assez de noir. Donc au lieu de faire six rangs pour le noir au milieu, là j'en ai fait que trois. Et ensuite j'ai repris en parallèle, en symétrique en fait, les deux autres couleurs. Et on finit par un icorne, comme souvent. Et donc là, le fait d'avoir fait des petits triangles en solitaire, ça permet d'avoir la forme qui est plutôt grand. Alors, je suis contente parce que j'avais eu des déboires aussi avec au début je tricotais vachement serré, j'avais fait un de ces châles, ça devait être le Exploration Station, ça devait être un des premiers, le premier châle mystère que j'avais fait. Et il était tout petit parce que bah, j'avais dû tricoter trop serré, j'avais peut-être pas pris la bonne laine, l'échantillon, j'avais pas suivi exactement. J'étais un peu novice dans le tricot anglais et du coup. Je m'étais retrouvée avec un mini-châle. Alors que là, je pense que j'ai de quoi m'enrouler de façon assez. Hop! Je crois que c'est la première fois que je l'essaye. Depuis que je l'ai fini. Donc voilà, ça fait une collerette, un collier. J'ai mis un gilet, un pull en plus. J'ai mis mon myrtille anthracite histoire que ça ressorte bien. Voilà. Donc c'est vraiment. Alors c'est en anglais. Je ne sais pas s'il sort les indices en français au fur et à mesure. Je crois que si, mais je ne suis pas sûre. Moi je le fais en anglais. Parce que je me dis que ça m'entraîne aussi. Et qu'on est tellement nombreuses à le faire que je trouve ça intéressant à ce moment-là de le faire. Puisque je pense que c'est une bonne manière de tester son anglais et d'avoir du soutien. En fait, on n'est pas tout seul. Après, voilà, il y a des moments où c'est très technique. En fait, j'avais fait les quatre premiers indices jusqu'au triangle et j'avais commencé à faire la bordure et j'ai eu un coup de mou. Ça devait être au moment où j'ai repris le travail. Du coup, c'était un peu. J'avais laissé de côté alors que je le trouve super beau. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il y a un autre châle que j'ai commencé, que j'ai jamais fini, qui va être dans un tote bag quelque part. Ce serait une idée. C'est un châle d'André, je sais plus. Voilà. Donc voilà, moi je m'éclate avec ces châles. Encore une fois, voilà, c'est pas toujours portable, mais celui-là, je pense que je vais le porter avec mon manteau blanc, ça va bien faire, ça va faire bien. Il faudra attendre l'hiver prochain. C'est mon mois d'avril. Voilà, je m'éclate à le remettre une dernière fois. Ouais. Ça fait vraiment un beau col, un beau tombé. Voilà, j'en suis très contente, même au niveau des couleurs. Voilà. Et encore une fois, voilà, on apprend plein de choses. Alors le seul truc, c'est que des fois, comme il se barre dans tous les sens, il y a pas mal de fils à couper, voilà, à rentrer. Et je vous dis, en fait, je me suis rendu compte que j'avais rentré déjà toutes les fils des trois premiers indices. J'avais dû faire ça au fur et à mesure, en me disant que ça allait être l'enfer.
Et du coup, bah, la dernière section, j'ai commencé à rentrer, mais voilà, il en reste pas mal. Mais j'étais pressée, donc je l'ai bloqué. Surtout que chaque triangle, en fait, il faut prendre un fil et terminer. Donc en fait, à chaque triangle, on a deux fils à rentrer. Et il y a pas mal de triangles. Je crois qu'il y a 15 ou 20 triangles. Et puis j'aime bien aussi ce petit côté, le petit côté trou-trou là. Pareil. En fait, on fait la première partie en un morceau et ensuite on vient relever les mailles ici, en fait. On monte des mailles en fait et on relève certaines pour reprendre un arrondi de châle correct. Et il n'est pas tout à fait rond, alors c'est pas facile de vous montrer parce qu'en fait, du coup, il y a la partie plate et après, il n'est pas avec les augmentations. Ça fait des ailes en fait. J'ai ébahi tout le monde en le bloquant à la maison par terre. Vincent était estomaqué, il l'a trouvé super beau. En même temps, je crois qu'il aime beaucoup ce que fait Stephen West. Et il a été un peu dégoûté parce qu'il y a quelques années, il m'avait fait un modèle de châle avec ce motif-là. Et je lui avais dit, bah non, je sais pas faire, je peux pas le faire. Et quand il a vu, il me dit, bah tu vois, on peut le faire. Je lui ai gentiment dit que j'étais pas Stephen West. Mais voilà. Donc voilà, le slip extravaganza à tricoter. Donc maintenant, il doit être disponible en français, bien entendu, je pense, parce que je crois qu'il traduit pas mal, il fait pas mal traduire ses châles. Mais sinon, ouais, c'est un bon exercice pour l'anglais. Voilà. Et on va passer à une laine. Alors, on va pas passer à une laine, mais à deux laines. Je vais vous en présenter deux parce que du coup, je vais vous présenter en fait les laines des deux prochains designs. Il y en a un qui est déjà terminé, mais je vous le présenterai une autre fois quand il sera sorti. Et le deuxième, je viens juste de le commencer. Donc, le premier, je vous montre, c'est une laine, donc une pelote toute simple de coton. Alors, j'en ai parlé pas mal sur Instagram parce que je l'ai fini. Donc, c'est du coton égyptien de la marque The Yarn Lovers. Vous l'avez peut-être pas mal vu parce que la fondatrice de la marque, en fait, a envoyé pas mal de laine à des influenceuses tricot ou autres. Donc, elle m'avait contactée en me proposant de tester sa laine. Alors, au début, je ne savais pas trop quoi faire et comme j'avais pas mal de projets, je me suis dit, bon, mollo, oui, c'est super gentil, j'étais contente, mais je voulais le faire avec une idée bien précise. Et du coup, j'ai pas mal réfléchi et j'ai crayonné un petit dessin de top. À savoir que donc c'est un coton que j'avais pas encore vu ailleurs parce que c'est un worsting, donc qui est un peu plus épais que ce qui se fait normalement, habituellement. Alors je sais que certaines n'aiment pas tricoter le coton parce que ça se dédouble ou autre, moi ça me dérange pas. Je sais que j'avais adoré tricoter le coton de Yarn by Simon, mais c'est du fingering. Et là donc c'est du worsted, donc voilà, je trouvais ça intéressant et notamment pour un top fluide et un peu large. Voilà, donc je vous en dirai pas plus. Après, si vous voulez voir plus, il faut aller sur, sur Instagram. Et donc pour l'étiquette, donc l'échantillon, c'est 18 mailles et 22 rangs. En tricot. Donc moi j'ai choisi le coloris camel, c'est pas écrit. Et il faut que je repasse une commande du coup parce que je vais m'en faire un deuxième en bordeaux et je vais peut-être en prendre un pour en faire un noir parce qu'en fait j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Et voilà. Et donc pour cette laine, je vous proposerai probablement des kits. Donc je viens de finir, ou j'ai presque fini de rédiger le patron qui va partir en test et on verra la suite après. Donc il existe pas mal de couleurs, je crois qu'il y a 8 ou 9 couleurs. Donc il y a camel, il y a du blanc, il y a un bleu un peu layette, du bordeaux, du noir, du bleu marine, il y a du rose, je crois. Voilà, enfin, il y a pas mal de choix couleurs. Après, je ne les aime pas toutes, mais c'est vrai que le camel, je trouvais ça sympa. Je me dis, sur une peau bien bronzée, ça peut être chouette. Et puis le noir et le bordeaux, bah, c'est une valeur sûre. Donc voilà, à suivre. Donc c'était la première laine. Donc celui-là est terminé, bientôt en test. Et la deuxième laine, donc c'est une laine de teinturière indépendante. Et elle ressemble à ça.
Alors, c'est le coloris Denim de Le Chat qui tricote. Et ici, c'est sa base Siam, c'est une nouvelle base qu'elle a rentrée pour le mois d'avril. Je suis un peu honnête. C'est sa nouvelle base Siam, donc où il y a 60% mérinos, 20% yak et 20% soie. Donc elle est très douce, elle est très fluide. Moi, j'aime beaucoup le rendu. Fait penser à la Merino Tencel, mais elle est encore différente. Mais j'aime beaucoup les bases avec le yak. Je sais pas, je trouve que ça apporte quelque chose, une douceur. C'est peut-être la soie aussi, la douceur, mais quand il n'y a que de la soie, j'aime moins. J'aime bien quand il y a le côté yak. Donc voilà, donc ça c'est un petit pull qui devrait sortir, un petit gilet qui devrait sortir cet été. Elle est assez douce. C'est un échantillon fingering, il y a 400 mètres dans un écheveau. Je ne sais pas encore si elle les a mis en ligne, mais voilà. Et les couleurs qu'elle propose sont assez sympas. Elles sont intenses parce que comme le yak est une fibre assez foncée, le rendu est plus foncé. Donc moi au début je voulais un denim un peu plus. J'avais une idée en tête pour ce gilet avec un coloris denim un peu plus clair. Et en fait j'en suis très contente, il est très beau. Je sais pas si ça me va autant. Voilà. À essayer. Donc affaire à suivre. Donc peut-être que j'en mettrai un peu plus sur Instagram. Mais voilà, il est commencé. J'ai commencé l'encolure. Donc ce sera un gilet avec un col en V et une petite surprise pour le bas, etc. Voilà. Pour ça. Et donc maintenant, on passe à un design. Alors, pour le design, ça va pas être trop de saison, mais en fait, je suis un peu décalée du coup. Les derniers designs que j'ai sortis, c'était le châle d'Ali en janvier et le bonnet Peralta en février. Donc, on m'a dit que je l'avais pas sorti au bon moment, qu'on était déjà en été, au printemps, alors que j'ai sorti début février. Et non, le printemps, c'était fin mars et on est toujours un peu en hiver avec la neige qu'on a eue la semaine dernière. Et le froid de ces derniers jours. Donc voilà, je me suis dit, je vais présenter le bonnet qui n'a pas encore été présenté. Donc c'est Peralta. Donc c'est un bonnet avec un gros revers qui est tricoté en coton-torse réversible. Et on a un motif après avec des espèces d'arrondis, de rosaces, je ne sais pas comment dire, arrondis avec des petites torsades et des rosaces ajourées et torses. Donc voilà, c'est un bonnet qui est assez large parce que je le voulais un peu souche. Je sais pas si là, vous allez bien voir. Voilà. Il est un peu. J'ai de la place. Si j'avais des gros cheveux, il y aurait de la place. Et qui peut aussi se porter du coup avec les côtes non repliées, sans le rabat. Du coup, là, pour le coup, il est vraiment, vraiment très souche. Hein. Voilà. Alors, il est pas compliqué à faire, mais il faut savoir quand même que voilà, il y a un sacré motif. Donc, il est détaillé entièrement. Il est proposé en diagramme et en version écrite. J'ai gradé de la taille bambin à la taille L, qui a six tailles de tours de tête différentes. Je voulais en faire un pour Alex et j'ai pas pris le temps de le faire. J'ai même pas cherché la laine d'ailleurs. Je sais même pas si j'ai ce qu'il faut. Je pense que je pourrais avoir le reste. Je m'étais dit même que j'essaierais de lui en faire un avec les restes de celui-là, ce qui m'en reste quand même pas mal. Et voilà. Donc c'est un bonnet, donc je vais pas y passer 3 heures non plus. Mais voilà. Au niveau technique, c'est un niveau. Intermédiaire, je dirais, parce que voilà, il y a le diagramme, les explications, il y a un peu de torsade, il y a des jetés ajourés. Après, c'est un motif simple, hein, il faut le répéter une fois et demie, 2 fois, ça dépend de la taille. Et puis ensuite, il est diminué progressivement. Les côtes torses réversibles, c'est pareil, les côtes torses réversibles, c'est très simple à faire, il faut pas en avoir peur. C'est juste que c'est un peu plus long parce que du coup, bon, en temps normal, moi je fais des côtes torses, je les fais que sur l'endroit.
Donc je fais que les côtes en droit torse sur les côtes 1-1. Parce que du coup l'intérieur on ne le voit pas, donc à part resserrer, ça apporte pas grand chose. Enfin moi ça m'apporte pas grand chose. Et là par contre j'ai fait des côtes torse réversibles, c'est-à-dire que je tricote les mailles en droit torse, mais aussi les mailles envers torse. Parce que comme le bonnet peut être plié, du coup je voulais que l'endroit du coup et l'envers soit en côte torse parce que voilà, le but c'est de l'avoir. Et ce que j'aime bien du coup pour le coup, c'est que là il tient vraiment bien chaud aux oreilles. Alors je l'ai pas mis beaucoup parce que du coup on n'a pas eu un hiver très très froid ici. Mais je l'ai quand même pas mal porté le temps où il a fait assez frais. Et je trouve que la couleur est super belle. Alors pour la laine, j'ai utilisé deux fils, donc qui peut être tricoté en diquet ou en fingering, avec deux fils fingering. Donc là pour le coup, j'ai fait même un fil fingering, un fil de lace. Donc le fingering c'est du Merino Falkland et le lace c'est du Mohair et Soie de la marque Maison Corlaine. Et j'ai fait le coloris Sawar, je sais pas si je le dis bien, mais voilà. Donc c'est un vert, c'est un beau vert. Vert émeraude, mais foncé, vert forêt, c'est pas mal. Voilà, je trouve qu'il est cool. Bon, puis j'arrête là de m'admirer parce que c'est pas ce que vous êtes venu chercher. Donc voilà, donc lui c'est le bonnet Peralta qui est disponible sur Ravelry ou sur mon site internet. Vous pouvez voir la version des testeuses, il y en a quelques-unes. Je suis en train de chercher, je crois que c'est Charlotte, une Vitcha qui a fait une très jolie version. Et voilà. Et enfin, toutes les versions des testeuses sont chouettes d'ailleurs. Et je les remercie encore à chaque fois parce que sans leur travail de relecture, il y aurait pas mal de coquilles non corrigées qui passe à la trappe. Voilà, on passe à une question, une explication d'ailleurs, on passe à une explication. Alors, pour une fois, j'ai pensé à vous poster en story les petites boîtes à questions sur les explications et sur la question, donc j'en ai une de chaque. Enfin, j'en ai plusieurs, mais j'en ai sélectionné certaines. Donc là, on va répondre à la question de... Je prends mon carnet parce que j'ai noté pour une fois aussi qui m'avait demandé ça. Alors, je vais un petit peu parler des différents rabattages. La question vient de la maman de Jadou sur Instagram. Donc, salut, merci pour ta petite question. Donc, les différents rabattages, il en existe pas mal. Après, chacun a sa technique. Je ne vais pas toutes les présenter parce qu'on aurait pour longtemps. Et puis voilà, mon but ici, c'est vraiment pas de faire des tutos et de montrer comment faire. C'est juste de dire, il y a ça, ça, ça. Après, ça vous permet d'avoir un panel et de chercher si ça vous intéresse. Donc, je commence par le rabattage classique. Donc, le rabattage classique, c'est quelque chose de le plus simple possible, ce que ma grand-mère m'avait appris. C'est-à-dire qu'on tricote les mailles comme elles viennent. Donc, on en tricote une, on en tricote deux, et après, on rabat de notre aiguille droite, pour vous parler, on rabat la première tricotée sur la deuxième. Ensuite, on en tricote une, et dès qu'on a deux mailles, en fait, sur l'aiguille droite, on va rabattre la première sur la deuxième, etc., jusqu'à la fin. Alors, cette technique est bien, le problème, c'est qu'elle resserre un petit peu, donc il faut faire attention. Du coup, il y a un système de rabattage élastique qui est pas mal. Et là, pour le coup, c'est un peu différent. On tricote les deux premières mailles. Et une fois qu'elles sont sur l'aiguille droite, moi, je les prends ensemble et je les tricote ensemble. Donc, on tricote la première maille en droit, la deuxième maille en droit. Et ensuite, on prend ces deux mailles de l'aiguille droite et on les tricote ensemble. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une maille au lieu de deux. Et ensuite, on retricote une maille. Et dès qu'on a deux mailles, en fait, sur notre aiguille, on les tricote ensemble à l'endroit. Et du coup, ça les rabat progressivement. C'est une méthode qui est un peu plus élastique et du coup qui permet d'avoir un peu moins resserré les bas ou les emmanchures, voilà, pour que passer la tête, pour les pulls, etc. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme technique? Il y a le rabattage à trois aiguilles qui peut être fait. Donc là, c'est une technique un peu plus complexe, mais du coup, on a nos deux aiguilles qu'on va mettre en parallèle.
Donc c'est une technique qui est utilisée par exemple quand on fait en bottom-up, du bas vers le haut. On va raccrocher les manches par exemple ou les bouts des chaussettes. Donc c'est comme un peu comme le grafting, sauf que c'est avec trois aiguilles. Alors que le grafting, c'est avec une aiguille à laine. Et je sais qu'il y a une question qui est revenue plusieurs fois, c'est comment rabattre quand on est en côte, donc notamment en côte 1-1. Alors moi j'ai une technique qui n'est peut-être pas très conventionnelle, mais en gros je tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers, comme elle se présente en fait, et après je fais le système du rabattage élastique. Et du coup en cherchant pour cette rubrique, j'ai découvert, j'ai découvert, je l'avais vu passer déjà, chez Alice Hammer, chez Tricot Alice Hammer, elle avait fait tout un visuel en fait pour faire une technique. Et alors là, en fait, c'est une technique qui fait l'inverse de moi, c'est-à-dire que quand on a des côtes 1-1, donc par exemple une endroit, une envers, une endroit, une envers, elle tricote à l'inverse. Et alors j'ai vu du coup cette même technique chez Aglaé Laser. Donc du coup, au lieu de tricoter la maille à l'endroit comme elle se présente, on va la tricoter à l'envers. Et après, il y a un système, il faut glisser la maille, repasser le fil devant, etc. Et du coup, je pense que ça permet de garder l'esprit côte 1-1, mais en faisant un rabattage super élastique au bout. Donc, par exemple, ça peut être sympa pour les poignets et autres choses, les cols. Voilà. Donc, c'est une technique que j'ai jamais essayée, mais du coup, en faisant les recherches, je me suis rappelé que j'avais dû épingler le visuel de Alice Hammer et qu'il fallait que je l'essaye. Donc voilà, à creuser, idée à creuser. Donc voilà, je vais m'arrêter là, donc ça en fait 4, je pense que déjà quand on en a 4 c'est pas mal, 5 même avec le grafting. Personnellement j'utilise toujours le même, voilà, je pense que quand on a trouvé une technique qui nous plaît, où on rentre, voilà, où ça fait une finition propre, faut garder, faut se faire plaisir, quoi. En priorité. Et du coup, alors je ne vais pas passer à la rubrique Patron Couture parce que j'ai commencé à coudre mais je n'ai rien fini. On va passer par contre à un tissu, comme ça je vais me motiver et dès que j'aurai fini le premier, je passerai au suivant. Donc on passe à un tissu. Alors, pour le tissu, c'est un tissu que j'ai acheté dans le cadre d'un kit, chouette kit. Donc c'est un kit d'une jupe, je ne sais plus le nom, c'est une jupe qui ressemble un peu à la jupe Estuary Skirt de Sue Liberate, avec une taille haute, ceinture boutonnée et justement une bande de boutonnage devant et une jupe midi plutôt. Ouais, midi. Je dis pas de bêtises. Et en fait j'ai craqué sur le tissu. Alors je crois que c'est un tissu de la marque Mind the Maker. Mind the Maker, qui est c'est une très belle viscose en fait, coloris ocre avec des gros pois, mais les pois sont pas du tout réguliers. Oui, c'est ça, Mind the Maker, c'est écrit là. Et voilà, donc le gros pois. Et en fait, donc c'est une jupe, j'en ai déjà une comme ça, une jaune. Que j'aime beaucoup, que je porte dès qu'elle est repassée, parce que ce sont des tissus qui se froissent et comme je repasse pas tout le temps, bah, elle est dans la bannette à repassage et je la mets dès qu'elle est repassée, mais du coup je la porte pas énormément vu qu'elle n'est pas souvent repassée. Et voilà, donc c'est un tissu qui est assez fluide mais en même temps assez lourd, que je trouve plutôt lourd et qui a une belle tenue. Je pense que pour une jupe, ça va faire un beau rendu. Il y avait plusieurs choix de couleurs. Il y avait un orangé, il y avait ocre, il y avait un bleu vert aussi. Mais voilà, moi j'ai préféré partir sur le ocre. Je me dis que ça irait mieux avec ce que j'ai dans ma garde-robe. Donc c'est un beau tissu. Je ne l'ai pas lavé. C'est une bonne chose peut-être à faire avant de me lancer. Maintenant qu'il va refaire beau, ça va sécher dehors en plus. J'aime beaucoup le rendu des pois de différentes tailles, en fait, qui sont pas du tout réguliers. Je trouve que ça peut être chouette. Et je me suis dit que j'allais la faire là parce que je vais l'intégrer enfin, je l'ai intégré à mon article crush sur mes crush couture
printemps-été 2022, voilà, qui sortira bientôt. Et donc, le voilà. Il a l'air... J'aime vraiment beaucoup son tombé, en fait. Je sais pas ce que ça peut donner en robe. Je pense que ça doit être sympa aussi. Là, ce sera une jupe. Une jupe qui ira bien en plus avec ton... mon irtis. Fais une petite simulation. Je ne sais pas si ça va rendre grand chose. Vous voyez rien. Voilà. C'est pas mal, non? Bon, allez, j'arrête. Voilà, donc c'est une couleur qui me va plutôt, qui me plaît bien. Ça me rappelle le doré que je porte pas mal. Elle est assez chaude. Je pense qu'elle peut être assez lumineuse pour porter l'été. Et en même temps, elle va être très automnale aussi. Elle est multi-saison. Vu que c'est ce que je cherche aussi. Et voilà. Pour la couture. Et on croise les doigts pour que la prochaine fois, je revienne avec une robe finie. Parce que ce que j'ai commencé, c'est une robe. Et peut-être une jupe découpée. Une jupe avancée. On verra bien. Voilà. Et on passe du coup à une question. Alors, je reprends mon petit carnet pour la petite question. Donc j'ai eu plusieurs questions et je me suis arrêtée sur une parce que je ne savais plus si j'en avais déjà parlé. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais du coup, ça vous intéresse souvent, vous me reposez la question. Donc c'est Chou 071 qui a posé la question. Salut, merci pour ta question. Et la question c'était: comment choisis-tu la laine pour faire un patron ? Alors, c'est une question qui revient souvent. Alors, comment ça se passe ? Ça dépend, en fait. Ça dépend si on contacte pour faire un partenariat, une collaboration, ou si moi, je fais l'initiative du truc. Par exemple, le bonnet Peralta, j'ai acheté la laine il y a quelques années déjà, il y a 2-3 ans. J'avais acheté la laine 2-3 ans avant et... dans l'idée de m'en faire un bonnet. Alors, j'avais pas d'idée précise du design, mais voilà, j'ai trouvé que les deux étaient bien, que ça irait bien avec les cheveux, que... Voilà, je suis partie de les chevaux qui m'a plu et j'en ai fait quelque chose. Des fois, je vais avoir... Enfin, souvent, je vais partir d'un... Quand c'est pas des collaborations ou quand que les gens viennent pas me chercher, je vais partir d'un dessin, d'une idée, d'un croquis, et je vais me dire qu'est-ce qu'il me faut comme laine pour celui-là. Est-ce que je veux un truc fluide? Est-ce que je veux un truc épais? Est-ce que je veux double fil? Est-ce que voilà, je réfléchis à partir du dessin. Quand c'est quelqu'un qui me contacte pour une collaboration, par exemple là, je vous ai montré le fil de Yarn Lover. Donc c'est pas une collaboration, mais c'est une proposition. Et moi, je voulais en faire un design vu la laine. J'ai regardé, elle m'avait proposé n'importe de choisir dans ses qualités et j'ai regardé, en fait, c'est vraiment le coton égyptien qui m'a plu. Et je suis partie de cette laine qui me plaisait pour en décliner une idée. Là, le chat qui tricote, c'est complètement différent, en fait. Pour le chat qui tricote, on a discuté, en fait, on est parti. Et là, pour le coup, on est aussi parti d'une idée du dessin. Je lui ai proposé un dessin, en fait, de quelque chose, pour savoir si ça lui plaît. Parce que j'aime bien, quand on fait une collaboration, que ça plaise à la personne, en fait. Parce que si la personne n'est pas emballée par le design, elle va moins bien le mettre en avant, voire pas le tricoter. Enfin, je trouve ça dommage, en fait. Je trouve qu'une collaboration, c'est vraiment un travail à deux. Même si on apporte une laine et un design, et qu'on cumule, je trouve ça dommage de pas porter le projet à deux, quoi. Parce que je trouve ça plus fort. Je vois la collaboration avec Simone. On a vraiment poussé le truc, en fait. Elle m'a poussé aussi dans mes retranchements en me disant bah, regarde, t'as fait la version gilet, moi j'adorerais une version pull. Est-ce que tu crois que ce serait faisable aussi? Et c'est comme ça qu'il est né. Si elle m'avait pas, de poser la question, demander. Voilà, pour moi, c'est vraiment. C'est donnant-donnant, en fait, la collaboration. J'y mets beaucoup de moi, et du coup, j'attends peut-être parfois trop des autres. Mais voilà, j'aime quand il y a réciprocité.
Donc, le chat qui tricote, je lui ai proposé. Donc, elle m'a dit, moi, au passage, j'aimerais bien travailler avec toi. Donc, on a dit, bah, ouais, pourquoi pas, avec plaisir. Donc, j'ai proposé un petit croquis. Et tout de suite, il a l'air de lui plaire. Et c'est elle, après, à partir de mon croquis et de ce que j'imaginais du drapé, qui m'a dit, bah, j'ai ci ou j'ai ça. Donc, elle m'a dit, voilà, elle m'en a proposé deux. On a regardé les couleurs, ce qui m'admirait. Parce que moi, du coup, après, une fois que j'ai les couleurs, je réfléchis en termes de look pour pouvoir vous les proposer avec de belles photos et aussi que ce soit cohérent avec ma garde-robe et ma ligne, en fait. Et c'est après coup, en fait, où elle m'avait dit, bah, il y a telle gamme et telle gamme. Et en fait, elle m'a dit, ah, mais non, celle-là, j'en ai une nouvelle qui va arriver où je remplace le nylon par de la soie. Donc voilà comment on peut partir comment on peut choisir la laine. Donc là pour le coup la laine quand c'est des collaborations comme ça où je pars d'un dessin, je fais confiance entièrement je fais confiance en fait. Voilà, je fais confiance. Je pense que les teinturières connaissent énormément leur laine et que c'est aussi leur métier quoi de savoir le draper, ce qui pourrait bien tomber avec ce que moi j'ai en tête, quoi. Je sais que bah, par exemple le Myrtis, la version gilet, on était parti sur un film mohair, donc ça, il n'y avait pas eu de question. Quand elle m'a parlé du pull et qu'on s'est dit vas-y on fait le pull, je n'avais pas trop d'idées, j'avais peur que le fingering mérino 100% ce soit un peu rigide. Et en fait elle m'a dit effectivement, pour mieux qu'on part sur un mérino tencel qui va avoir un beau drapé et quelque chose de similaire au drapé du coup du mohair, du lace mohair en fait. Donc voilà, enfin c'est voilà. C'est vraiment aléatoire. J'ai pas un processus en fait. Ça va dépendre si collaboration ou pas, et ça va dépendre aussi de si j'ai une idée d'abord du rendu de la laine en me disant bah, je veux telle laine parce que je veux que ça fasse ça, tel truc, ou si je pars vraiment du dessin et si je dis voilà, qu'est-ce que tu me proposes? Tu connais ta laine, je te fais confiance. Jusque-là, ça marche plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Donc voilà, pour cette question. Merci Chou 071 pour cette question. Et bien du coup, c'est déjà fini. J'ai l'impression que j'ai speedé. Je ne sais pas depuis combien de temps on est là ensemble. Mais en tout cas, merci. Merci de m'avoir suivi encore et d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker et à commenter en dessous parce que ça apporte de la visibilité. Alors, pour être transparente avec vous, pourquoi je vous demande aussi tout ça à chaque fois, en fait, je cherche à monétiser la chaîne parce que du coup, c'est un léger revenu complémentaire et surtout, je sais pas, alors, je me barre peut-être dans le mur, mais là, actuellement, quand vous regardez mes vidéos, vous avez déjà des pubs et des pubs qui n'ont rien à voir avec ce que je propose, et c'est surtout que je me dis que c'est YouTube qui touche tout et ça me rend malade. Donc même si je monétise, de toute façon, YouTube touchera quand même. Enfin, je me leurre pas, ils vont pas, je veux pas les ruiner, hein, voilà. Mais voilà, je me dis que ça fait un petit complément, et ça valorise un peu le contenu que je peux vous créer. Et je ne sais pas, peut-être que je me vais dans le mur, mais je me dis que les pubs qui entoureront le podcast et les vlogs et les autres vidéos seront peut-être un peu plus ciblées et un peu plus appropriées que les pubs où on vous propose du jambon madrange ou autre chose. Je sais plus ce que j'ai vu l'autre fois, comme pub complètement. Enfin, un truc qui n'a rien à voir avec ce que moi je vous raconte. Voilà. Voilà mon objectif. Après, c'est une question. J'ai le nombre d'abonnés, plus même, mais c'est une question de nombre d'heures de visionnage. Donc, comme j'étais pas régulière jusqu'à il y a 6 mois, et ben voilà, faut cumuler un certain nombre d'heures et je les ai pas encore. Donc, je m'en rapproche, mais j'espère les avoir. Voilà, pour avoir un peu plus la main sur les pubs proposées, même si j'ai l'impression que je me fais des films. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, à poser des questions, à m'envoyer des mots d'amour, à me dire que c'est nul, à, voilà, partager. Faites-moi vivre et faites vivre ce podcast. Et on se retrouve la prochaine fois avec un vlog. Donc je ne sais pas du tout sur quel thème parce que je n'ai pas encore trouvé.
Peut-être que du coup, il y aura un podcast avant. J'espère pas, parce que j'aime bien cette alternance vlog-podcast. Donc, on se retrouve au mois de mai, probablement, pour la suite. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ou quoi que ce soit. Bisous, bisous.